Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va mettre en scène un top 10 des femmes cancer célèbres. Et vous allez voir que ce n'est pas un hasard si ces femmes célèbres sont du même signe cancer que vous. Vous êtes du cancer si vous êtes né entre le 21 juin et le 20 juillet. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous publions des astuces de séduction en astrologie, les compatibilités entre les différents signes et beaucoup d'autres choses autour du zodiaque. Je vous invite à aller faire un tour juste ici. Si vous êtes cancer, vous partagez les caractéristiques de ce signe. Vous êtes intègre, optimiste, loyal, posé, serviable, tolérant, émotif, empathique, intuitif et fidèle. Et vous allez voir que les femmes que je vais vous présenter partagent les mêmes caractéristiques que vous. Comme vous, Selena Gomez est du signe du cancer. Elle joue la comédie depuis son plus jeune âge, avant de se lancer avec succès dans la musique. En dehors de ses talents artistiques, elle est philanthrope. À 17 ans, elle devient la plus jeune ambassadrice de l'UNICEF. Elle veut utiliser son influence pour pouvoir protéger les enfants à travers le monde. L'actrice Pamela Anderson est aussi du signe cancer, connue via son rôle dans Alerte à Malibu. La sulfureuse Bimbo cache en fait une véritable sensibilité et elle n'hésite pas à mettre en place des actions concrètes pour une cause qui lui tient à cœur, celle de la défense des animaux. L'actrice Michelle Rodriguez est aussi du signe du cancer. Elle a notamment joué dans Lost et dans plusieurs films d'action tels que Fast and Furious. Peut-être avez-vous le même côté intuitif et empathique de Meryl Streep. En effet, considérée comme une des plus grandes actrices de sa génération, ses traits de caractère communs au cancer lui permettent de s'effacer derrière ses personnages pour laisser une véritable place à quelqu'un d'autre. La journaliste chroniqueuse Laurence Ferrari est aussi du signe cancer. Vous avez eu l'habitude de la voir à la télé nous présenter les informations ou divers autres sujets. D'un côté plus privé, elle est aussi engagée pour des causes qui lui tiennent à cœur, comme SOS Village d'Enfants ou le mariage pour tous. L'actrice Isabelle Adjani est le côté émotif du cancer. Elle l'incarne à la perfection dans tous les rôles qui lui sont donnés. Ce personnage névrosé, fragile, mystérieux, bref, une partie bien ciblée qui est du caractère propre au cancer. Eva Green fait ses débuts au théâtre avant d'être propulsée devant les caméras du cinéma hollywoodien. C'est là qu'elle attire l'œil du cinéaste Tim Burton, qui voit dans son côté cancer, sensible et mystérieux, sa nouvelle muse. L'actrice mannequin Diane Kruger est aussi du signe cancer. Elle est connue notamment pour ses rôles dans 3, la saga Benjamin Gates et aussi Inglourious Bastard. Fille du chanteur Serge Gainsbourg, Charlotte fut consacrée très jeune pour ses performances d'actrice, avec notamment le César du meilleur espoir et d'autres récompenses encore plus prestigieuses. Elle continua sa carrière, apportant une touche d'émotion dans chaque rôle qu'elle interprète. Dans une interview donnée, elle dit trouver une certaine contemplation dans le malheur, ce qui est bien la parole d'une femme née sous le signe du cancer. Journaliste franco-américaine ayant animé plusieurs émissions à la télévision, Anne Sinclair est le côté fidèle et protecteur du cancer. Ce côté fidèle et protecteur, elle l'a mise en scène lors de l'inculpation de son ex-mari Dominique Strauss-Kahn. Même si elle a divorcé depuis, pendant l'affaire, elle n'a cessé de défendre et d'être aux côtés de son mari. Voilà, c'est la fin de cette vidéo concernant les femmes cancer qui sont du même signe astrologique que vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettez-moi en commentaire laquelle de ces célébrités vous ressemble le plus. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ces hommes et femmes célèbres qui sont du même signe astrologique que vous.